Hop, un pistolet. Le démantoptère, ça, justement. Hop, là, on va monter. Il y a quelques petits trucs à prendre et à fouiller. On y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe encore? Wouah! Ok, d'accord, c'était toi! Ah, t'es monté en mode jetpack! Mais préviens avant de faire ça! Oh, le type! Enfin, le truc! C'est pas un type! Le machin! Ah oui! Bon, en tout cas, si je dois partir en mission d'infiltration, faut pas que je t'appelle, quoi. Vraiment pas, hein. Le mec, il allume le moteur. Ouais, par contre, les PNJ qui se TP comme ça, c'est un peu particulier. Hein. Hop. Ici, il n'y a personne. Clac, on se sert, on se fait plaise. On se fait plaise, on se fait plaise. Il y a quoi? Il y a ça. On prend. On prend. On prend tout. On prend tout, on prend tout. Là. Là, y a rien, clac. Bonjour. La Toss Ball. Ouh! C'est toi le nouveau? La joie. Don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No. Glacial Age Mammoths. J'en ai rien à faire du Toss Ball. Je ne suis pas là pour papoter sur les équipes de Toss Ball. That's a shame. Toss Ball's just about the only good news we get around here. When our frequency's not too clogged up anyway. So, what can I do for you? Alors, j'ai trouvé ce ticket de Paris dans l'appartement d'un mort. Vous avez une idée de ce qui aurait pu lui arriver? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. Ah, donc c'est Isaac le mort. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Quel est le rapport avec sa dentition? Ah bah, c'est typiquement la phrase. They were pretty distinct. Monarch doesn't exactly have a thriving dental industry. And Isaac seemed to get stuck in all sorts of bad habits, dietary and otherwise. D'accord. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter, other times he'd keep betting on a losing team, started owing the wrong people money. Ah, on y vient, ok. Et à qui devait-il de l'argent? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. Elijah, très They're bien. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. D'accord. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Merci pour votre aide. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Bien, merci beaucoup, votre aide a été très précieuse. Bien, eh bien, on va rendre visite un petit peu à ces hooligans de Fallbrook. Alors, je sais où ils sont. J'étais tombé dessus lors de ma dernière run. Coucou. Ah, ça me fait tellement plaisir de ne pas être pris pour cible. T'imaginez pas à quel point. Elijah. Alors, je veux pas paraître agressif, hein, mais... Ah, d'ailleurs, attendez, j'ai pas trouvé... eau du brasier, voilà. Je m'étais équipé de ça. Voilà. Bonjour. Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Berta already pissed by those crates to market. Alors d'une, c'est dégueulasse, mais deux, s'il faut, je peux très bien pisser par-dessus, ce sera mon territoire, hein, si ça marche comme ça chez toi. Je sais que tu as tué Isaac. Bon, il avoue, c'est un aveu.
Pas besoin de preuves. Enfin, c'est un aveu. J'en fais mon affaire. Oh yeah? What are you saying exactly? Bah, tu vois ma faux? C'est pas assez clair comme message. Et t'en as arrêté de t'en prendre aux gens. Si tu es suffisamment intelligent, tu vas partir et ne jamais revenir. Ah non! Je dis juste que ça va me faire. Ah ouais! Mec? Tu vois ma faux? La dernière chose que tu vas voir. Ouais, 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 je prends cher en fait. Ah! J'ai trop fait le malin, c'est le karma. Continuez. C'est le karma, non. J'étais où? J'étais là. Je dis j'étais là, mais je sais pas où je suis. Ah oui, ok, c'est bon. Pourquoi j'ai bien fait de sauvegarder régulièrement, hein. Ah, j'ai fait le malin. Non, je vais y aller au fusil comme ça, je vais me reculer. Le problème, c'est que du coup, je suis là, je suis en plein milieu des quatre et les quatre me tombent dessus direct. Reprenons. Je sais que tu as tué Isaac. Intimidation. Et là. Et on tire. On est suffisamment loin pour que les soldats ne tombent pas dessus, hein, donc tout va bien. Elijah ? Alors il y a un voyou. Qu'est-ce que vous avez fait du buste du voyou en fait, les copains là ? Alors on sait que Parvati elle est très 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 énervée comme fille, mais. Où est Elijah ? Ouais, il a volé le mec jusque là. On a retrouvé le buste. Ah, mais même la tête. Même la tête, elle est où la tête? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi de sa tête? Parce que là, on a deux jambes, deux bras. Sam, as-tu nettoyé la tête? Qu'est-ce que tu en as fait, Sam? Je m'attends presque à retrouver une tête là-dedans, là. C'est juste un nez, des oreilles qui traînent là-dedans, des dents, tu sais. Bon. Bon. Bonne journée. Et on se casse. Alors, nous avons pas tout à fait fini. Et oui, et oui, et oui. On a quand même pas mal avancé. On a le caféinoïde pour Nyoka. Mais écoutez, on va aller voir ce qui se passe ici. Ouvrier, ouvrier. Donc vous n'êtes pas forcément intéressant. Évitez de voler tout et n'importe quoi. Je sauvegarde, bien évidemment. Sauvegarde terminée, parfait. Et personne ne regarde là. Hein. Ah bah c'est Velma. Bonjour. Bah je viens de parler. Bah déjà sache que je fais ce que je veux. Ah bah voilà. Examiner. Instrument d'incision piscicole. Cette scie à poisson aurait besoin d'un bon nettoyage. Hey Velma, I got your caffeinoid pills. Ah bah c'est le gars qu'on a vu chez le médecin. Just the usual. Any word on Braxton? Nothing. Don't know how much longer I can cover for him either. Give me those pills, will you? Here you go. You know, you might consider a real night's sleep instead. Il y a quelque chose là-haut. Isako. Voler Monsieur Aïe. Non, tu montes pas toi. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Mon dieu. Et pour redescendre. Vas-y ton animation de quand tu descends.
Sam ? Il n'y a pas d'animation, n'est-ce pas ? Ouais, franchement, les compagnons, quand ils doivent nous suivre, c'est assez terrible. Hein. Regarde, elle marche contre l'échelle, lui, il bouge pas. Juste à faire ça, et ils vont être là. Ouais, ça, c'est quand même franchement dommage. Ça, c'est, en termes d'immersion, c'est vraiment pas top, quoi. Ah oui, les grévistes. Bon, Velma. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Eh, on se calme en fait, tu me connais pas, je te connais pas, on va rester poli et courtois. Mais de quoi vous parlez? C'est qui Catherine? Sorry. Seems voilà, like merci. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. Non, c'est l'excuse pas. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Pourquoi ça me regarde? Expert en quoi? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Mm-hmm. Pas de règles. Il n'y a pas de règles pour ce genre de choses. We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. Bah, je te permets pas. Si je suis occupé, j'ai une vie en fait. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Alors ça, par contre, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Genre, ramène-toi ou sinon, insérez ce que vous voulez à la suite de cette phrase. J'arrive à être assez créatif dans le jeu, visiblement, donc ça me plaît bien. Vous avez dit que Braxton volait des médocs. Stealing such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterobiotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the spacer's choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the Saltuna fat and mostly tumor free. Qui est cette Catherine dont vous parliez quand je suis arrivé? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. D'accord. Et parlons un peu de Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Ah, c'est le gréviste. Hein. Caleb dit qu'ils ont besoin d'une augmentation pour compenser de l'inflation des prix ici. Tell him to complain to Catherine in Fallbrook, not me. Sublight's demanding more money for the same contracts, which means we're all in the same boat. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi vous ne pouvez pas lui donner d'augmentation? I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. En vrai, je suis plutôt du côté de Velma pour le coup là. Hein. Non, ça, je vais pas le faire au bluff. Si je dis ça, je veux avoir des preuves. Et si on coupait la poire en deux? For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Ah mais ça se comprend aussi hein. En vrai, pour le coup là, je trouve qu'elle a raison. Bon, parlons d'autre chose. Je vais essayer de voir comment faire autrement. On parlera plus tard. C'est vrai que du coup ils sont tous dans la même galère. C'est vrai que du coup leur comportement là-bas au bar là, il est très égoïste finalement. Bah, quand tu regardes par rapport à la situation actuelle qu'il y a sur Monarch. Je vais finir de fouiller quand même tout ce qu'il y a dans le bâtiment.
Bonjour, ouvrier. Profitez bien de votre pause. Ouvrier. Ah ouais, t'es accueilli par un mec avec un casque de chantier, quoi. Regarde s'il n'y aurait pas des choses à examiner. Ok, bon, j'ai plutôt fait le tour par là, c'est bien. Peut-être les bureaux du coup. Voilà, très bien. Vermine. Ah, c'est un pistolet particulier ça. Vermine, niveau 14, arme de poing. 205 de dégâts. C'est quand même pas mal, hein. Ah, même visuellement, j'aime bien, il a un sacré style quand même. Bon, là, personne me verra, y'a pas de soucis. Ça me fait utiliser 5 clés de contournement. Là, j'en ai tellement qu'il n'y a pas de soucis. Les malheurs de Grimm, allez voir Célia. Donnez le poster de Toastball à Grimm. Ah ouais, j'ai loupé. Et du coup, j'ai sauté une action. Monarch Stellar Industries, ce terminal doit être uniquement utilisé à des fins professionnelles pour le compte de Monarch Stellar Industries. Fichier personnel. Piratage contourné. Ah. Non, on va pirater ça. Veuillez entrer le nom de l'employé pour accéder à son dossier. Echt. Les fichiers de Braxton Echt sont remplis de graphiques concernant l'élevage de sautons, de diverses formules pharmacologiques et de réflexions sur les raisons pour lesquelles les sautons semblent préférer le porglier aux haricots aux saucisses de porglier. Alors, Ballard. Les fichiers personnels de Velma sont une panoplie de contrats d'approvisionnement, de formulaires de commandes, de feuilles de calcul et de comptes financiers. Un examen approfondi de ces comptes révèle que depuis 7 ans, Velma transfère discrètement de l'argent de son budget de fonctionnement à son compte personnel. Le vol est habilement dissimulé. Individuellement, cela pourrait être pris pour de simples erreurs d'inattention ou des arrondis mal calculés. Mais le volume important de ces occurrences démontre une intention volontaire. C'était la preuve qu'on recherchait. Voilà. On a quelque chose. Braxton. Les poissons dans l'aquarium 23A ont l'air un peu bizarres. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave, mais dis-le-moi que je puisse m'occuper des choses. Mr. Nandy. Nous devons vraiment parler du problème de sauton. Ça fait 4 lots que nous laissons pourrir dans l'entrepôt ces deux derniers mois parce que nous ne trouvons pas d'acheteurs. Je sais que notre relation avec le conseil nous met dans une situation délicate, mais nous devons commencer à réfléchir à des moyens de garder Stellar Bay à flot si nos ventes n'augmentent pas. Brax, sérieusement, t'es où? Tu as manqué 3 services, ça devient ridicule même pour toi. Comment ça s'agace un peu là, hein. Par contre, du coup, on a eu la preuve qu'il y avait un détournement de fonds. C'est pas bon pour elle. We'll be right back.